Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.
أولا بتقوى الله تعالى وطاعته
Inna yawmakum hadha yawmus surur wa bahja wa hubur liman sahat niyatu wa kubila siyamuhu wa qiyamuhu hadha yawmul farahi wa tahari liman tabat sariratuhu wa hasunat fi ramadan afaluhu wa akhlaquhu wa kalamuhu هذا يوم عفو وإيسار لمن عفا أمن خفا وأحسن إلى من عسى هذا يوم سعيد لو كنا لمستقبلنا عاملين في هذا اليوم المبارك يتجلى المولى بمزيد الإنعام على عباده المخلصين ينظر فيه إلى من تاب وعناب وراقب في السر والإلانية ربه الأكبر ينظر فيه إلى أهل الصدق والوفاء والمودة والمحبة ينظر فيه إلى من تغفل عن عيوب الناس ولعيوب نفسه تنبه يعز فيه من تعذب وطهر من الهجر والحسد قلبه فليس العيد لمن تمتع بالشهوات وأعطى والديه فحرم الرضا في هذا اليوم المبارك ليس العيد لمن يحسد الناس على ما أتاهم مولاه من فضله العظيم ليس العيد لقائم غشاش كذاب يسعى بين إخوته المسلمين بالأذى والفساد والضرر كيف يسعد بالإيد من تجمل بالجديد وقلبه على أخيه المسلم أسود يا رب يا رب يا رب نسألك العفو والعفاف آمين يا رب نسألك الغنى والقناعة آمين يا رب نسألك الصبر والشفاء آمين يا إلهنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شير فيديل إشير فرير الإسلام à la fin du mois du Ramadan, le mois sacré, le mois tant chéri par Dieu, par le prophète et par la communauté elle-même, le mois où le mois de supplice et de pénitence, le mois dans lequel les péchés sont approchés, les bienfaits sont triplés, même centuplés. Le magnanime, l'infiniment bon, le tout généré dans son essence. Nous le louons sans cesse et nous lui sommes reconnaissants et redevables du fait que nous avons été choyés et gratifiés par lui, étant dans la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Chers frères en islam, l'islam est fier de vous. L'islam est fier de vous et Dieu autant. Mais combien de personnes seront acceptées? Jeunes de combien de personnes seront acceptées? L'office de combien de personnes, l'adoration de combien de personnes seront acceptées? C'est là la grande question. Et on va plus loin, on leur dit, le mois de Ramadan nous donne l'eau et il nous dit au revoir. Mais est-ce que c'est là pour autant? Il est maintenant nécessaire et urgent de faire qu'on s'est répandu dans ces mois, qu'on demeure dans cette ligne, qu'on demeure dans cette droite ligne. Oui,
ceux qui ont bénéficié de ce moment. Comme les disciples du prophète Ali Salatu Wassalam, ils disaient que eux, ils donnaient au revoir au mois de Ramadan pendant 6 mois. Et ils préparaient le futur mois de Ramadan pendant 6 mois. Et nous autres, qu'est-ce qu'on en fait? La communauté musulmane ivoirienne sur la terre française, n'est-il pas temps d'avoir un local, un lieu approprié? N'est-il pas temps de s'accepter, de se donner la main et d'aller vers une fusion, une symbiose, l'acceptation de l'autre? N'est-il pas temps de laisser ses préoccupations personnelles et de dire au nom de l'islam, au nom de l'islam, je m'engage à ce que la communauté ivoirienne ait une mosquée sur la place parisienne, car seule la mosquée est un repère infaillible. Ce n'est pas nos constructions au bled, ni nos acquis ici, mais c'est ce qu'on donnera à Dieu. Le prophète un jour posa cette question à ses disciples. Et il dit, Ayyukum malu wa resini ahabu ilayhi min mali. Qalu ya Rasulallah, ma minna ahadun ila malu ahabu ilayhi min mali wa resini. Il a dit, qui d'entre vous aime l'argent qu'il va laisser derrière lui pour ses enfants, pour sa famille, que ce que lui-même il va dépenser? Mais là, et ils étaient conscients, ils ont répondu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre propre argent qui nous plaît plus que ce qu'on va garder pour la famille et pour les enfants. Mais nous pensons qu'en amassant, qu'en laissant autant dans les comptes, que la famille serait sauvée. Non. La sauvegarde de la famille appartient à Dieu et non nous. Donc vaut mieux s'adonner à Dieu, se consacrer à Dieu pour que Dieu s'en consacre à nos enfants. Pour que Dieu s'en charge de nos familles. Pour que Dieu s'en charge de notre arrière. Chers frères, amis, n'est-il pas nécessaire aujourd'hui qu'on ait une mosquée? Mais est-ce que cette mosquée, elle tombera du ciel? Non. C'est la participation de chacun de nous. C'est la cohésion, c'est l'amour de l'autre. C'est le fait de se sentir concerné qu'on aura une mosquée. Une mosquée, une communauté à plusieurs têtes, une communauté ambivalente ne peut pas avancer. Que Dieu nous aide. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. استغفر الله يغفر لكم واشكروه يذكركم واشكروه يزدكم. Masa mina sumar pa min dama ben ani dige ma faro.
Thank you.
Tout d'abord, je demande
Allah pardonne de tout le monde. Comme Allah même a dit, ce que le prophète Mohammed a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et Allah pardonnera tous ceux qui ont jeûné le mois de Ramadan et qui ont fait des prières sur le gâteau. Allah accepte nos jeûnes et nos prières. Donc mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, en islam, on vient envers vous. Vous savez que Allah nous a créé que pour l'adorer. Il nous a prescrit 5 prières quotidiennes. Et il nous a prescrit encore une prière hebdomadaire. Cette prière hebdomadaire qui est la prière du vendredi, on l'a fait ici, à une salle, dans une salle au premier étage. Mais sincèrement, mes chers frères et sœurs, la salle est devenue très étroite, très très serrée. C'est pour cela que le Conseil national islamique de CENI France fait un grand pas envers tout le monde. Envers ceux qui ont des cœurs de la passion, envers les amoureux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de nous venir en aide pour qu'on puisse avoir un lieu de culte et culturel islamique, pour qu'on puisse, nous enseigner et enseigner encore nos enfants et nos épouses. C'est ce qu'on souhaite aujourd'hui, sincèrement. On vous demande des aides. Donc si vous nous aidez aujourd'hui, c'est que vous vous aidez vous-même. Car le Seigneur a dit dans le Saint-Coran, « Oh, vous qui avez cru, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. » Donc, mes chers frères et sœurs, aidez-nous. C'est ce qu'on veut aujourd'hui pour qu'on ait une salle ou un lieu de culte culturel pour qu'on puisse vraiment nous éduquer et éduquer nos enfants et nos épouses. Voilà, c'est comme vraiment qui est ma principale occupation aujourd'hui en tant que président du Conseil national islamique de CENI France. Voilà, je remercie tout le monde. Que Allah nous donne une longue vie, une longévité. Et je bénis encore la Côte d'Ivoire et sans oublier encore la France, notre pays de résidence. Et je bénis encore pour la dernière fois à notre président, que Allah nous donne une longévité, la santé et la vie la plus heureuse. Donc, wassalamu alaikum. Ok, wassalamu alaikum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم mes chers frères et sœurs en islam. Donc voilà, aujourd'hui nous voilà le 13 mai 2021 à Paris. Donc nous venons de terminer l'Aïd el Fitr. Donc ça a été un succès formidable. On a enroulé, enregistré plus de 1000 personnes. Deux séances de prière. Chaque prière, il y a ici 100 personnes officiellement. Donc sans compter les accueillis. Alors aujourd'hui, la prière de cette année a un autre parfum. Quel est ce parfum? Nous sommes en quête d'un lieu culturel. D'un lieu culturel où nous pouvons faire valoir nos civilisations, nos mères, notre culture et l'éducation de nos enfants. Un centre que la communauté ivoirienne en a besoin, toute l'Afrique de l'Ouest, mais à sa tête, les Ivoiriens. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, ils sont sollicités, ils sont les bienvenus pour venir nous aider à construire cela. Ce n'est pas mince à faire. En France, pour obtenir un lieu, ce n'est pas comme dans un pays d'Afrique. Nous avons besoin de beaucoup de millions d'euros. Nous demandons à tous nos frères, les musulmans qui ont l'amour de ses prochains, pour que nos enfants, nos progénitures, nos
descendance sur le sol français, surtout dans la région parisienne et Paris, connaît ce lieu-là magnifique et où on pouvait recevoir, on va pouvoir recevoir nos hommes politiques, nos leaders religieux et nos journées culturelles et nos prières et ainsi de suite. Donc voilà, c'était un appel NOCS à tous les gens de bonne volonté pour aider la communauté ivoirienne en France et tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui vont prendre cette information. Tout le monde a un lieu culturel sauf nous autres. Donc c'est important, c'est important. Je veux vous dire, la communauté ivoirienne sur la place de France, Paris, pardon, ça fait plus de 90 000 âmes. J'en passe 90 000 âmes. Il nous faut un lieu pour les encadrer. Il nous faut un lieu pour les encadrer. Donc voilà, c'est cette SES que je lance à travers le caméra de notre frère Cisco qui fait tout pour nous. On ne peut pas payer Cisco. Il fait tout ça pour nous aider pour l'islam. Que Allah te donne la baraka, Cisco. Qu'Allah te donne la baraka. Et tous ceux qui vont nous aider, qu'Allah vous accompagne, qu'Allah nous protège. En tout cas, ça a été une bonne chose. Merci, merci tout le monde. Bye bye, à la prochaine. Merci. Et vous, vous appelez vous... a été animé par la société, l'association CENI, Conseil National Islamique, la Ouma Islamique, la plus âgée association islamique, organisation ivoirienne sous la place Paris. Depuis 1999, cette structure a été mise en place par Cissé Djiliba et enchaînée, animée par Imam Koudous. Donc nous existons dans 5 pays d'Europe. Nous avons créé une convention dans 5 pays d'Europe et nous partageons les mêmes valeurs, c'est-à-dire les voix de Malkia. Donc voilà un peu, nous voulons une voix de prophète, de pas violent, de non-violent. En tout cas, ça me fait grand frère et plaisir de m'adresser à vous à ce jour. Ok, merci. Vous occupez quel poste dans cette organisation CENI, Communauté musulmane de France? Vous occupez de quel poste en ce moment? Ok, merci Cisco. Aujourd'hui, je suis troisième vice-président de l'association CENI, chargé de l'organisation et chargé des structures de CENI en France et au-delà de la France. En quelque sorte, ministre des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Donc, toute l'organisation m'appartient et j'ai une équipe qui m'entoure. Donc, c'est nous qui faisons toutes ces choses-là. Comment sortir, comment machiner. En un mot, l'organisateur, le maître homme. Ok. Vous vous appelez comment? Je m'appelle El Hadji Dao Lassina. Ok. Merci, El Hadji Dao Lassina. Vraiment, je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Ouais. Vraiment, ça a été, vous voyez, l'immense qui est là en face de vous, ouais, qui a été rempli, ouais, comme vous venez de dire que c'est 600 personnes, je vois que c'est plus. Effectivement. C'est plus simple. C'est officiel, c'est qu'on a compté en entrant. Ouais. Voilà. C'est plus parce que je vois... C'est un de 660. Voilà. Ouais. D'accord, ok, je vous remercie beaucoup, ouais, d'avoir été parmi nous, et puis voilà, je suis fier d'être avec vous aussi, ouais, et que Dieu nous aide beaucoup. Merci. Et bonne fête, et bonne fête de Ramadan. Également. Ok, salam alaikum, rahmatullahi, qu'Allah vous regarde. Merci, Lassana. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Thank you.